Yann. Viens, on va faire un tour. Tu vois pas que je suis super occupée là? Tu lis le japonais maintenant? C'est où cette balade déjà? Je vais te montrer. Petit coin slam dunk. Il y a les t-shirts. Il y a même une édition de luxe de slam dunk. Franchement, elle est vraiment trop belle, une belle édition de luxe. On a aussi des figurines collector. Shoku Coco. Des petits pins trop mignons. Viens voir maintenant. Un petit t-shirt pour les meilleurs amis du monde, n'est-ce pas? Et un énorme poster. Je sais pas si t'aimes Slam Dunk, mais moi, j'adore. Salut! Tu connais Masashi Kishimoto? Tu connais Naruto? Je crois qu'on a plus besoin de le présenter, mais si tu t'intéresses un peu au travail de l'auteur. Ici, en fait, il y a des copies, des planches originales de l'auteur. Tu peux voir comment il travaille, on voit les esquisses, les grilles, le découpage, c'est super sympa. Et tu peux même les acquérir, en fait, c'est pas trop cher. Par exemple, pour 926 yens, tu peux avoir une copie de planche originale, ce qui fait environ, je dirais, 9 euros. Voilà. Kageman Shinajutsu. Non. Yeah. Yes. Un petit thé macaron avec Kuro Sensei. Katia, désolé, mais c'est pour la planète. Après ça, je serai plus même. Ça, c'est pour faire tourner. Je peux faire un temps de jeu là. En France, ça marche pas comme ça. Là, on peut faire on peut pas mal bouger quand même. Je sais pas s'il y a un temps. Vraiment, je vais le chercher. C'est de la merde! Mais c'est quoi ce bordel? C'est de la carotte, le truc, il ne descend pas assez bas, c'est n'importe quoi! Ah. Comment perdre 100 yens au Japon?